chers frères Rodaï, avec la permission d'agir. Tout d'abord, je voudrais dédier ce cours de Torah pour la santé de Aaron Abraham, Marcou, Shalom, Benishmazwa, Johanna. En ce moment-là, il est en train de passer des examens très importants. J'ai été le voir hier soir à 11h du soir. Et revois chez ma pote Hannah Batricha. Et bien sûr, la Chine protège la famille de Toussi et Jacques. Et la volonté de santé pour toute la famille. Amen. Alors, nous sommes aujourd'hui à. Je ne sais pas de quoi vous parler. Il y a tellement de choses de quoi on peut parler. Mais tout d'abord, j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que nos femmes aujourd'hui ont besoin? Il faut savoir une chose, que la vie d'aujourd'hui, c'est pas la vie qu'on a passée à l'époque. La vie devient beaucoup difficile et compliquée aujourd'hui. Beaucoup. À un moment donné, moi je suis du Maroc. J'ai habité à Essaouira. Et je n'avais pas de problème, mes parents n'avaient pas de problème d'éducation. On était bien. Il y avait tout ce qui était, vous savez, par exemple, Pessah, on mangeait que la pomme de terre. C'est tout. Pessah, on ne mangeait pas l'avion, presque. C'était la cache-route, c'était une vraie cache-route. C'était super. Je voudrais. Je me rappelle, chez nous à la maison, à Essaouira. À Essaouira, on avait une grande maison. C'est la maison de Rabbi Hindou. Et dans cette maison, il y avait beaucoup de chambres. Et c'était vide. Les chambres que ma mère occupait, ma mère toujours a changé de. Une fois elle était en bas, une fois elle était en haut. Toujours entre le premier étage et le rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'on avait dans cette maison? Il n'y avait que des lits. Il y avait une table, 4 ou 5 chaises. La cuisine était vide. Il y avait 3 ou 4 assiettes. Il y avait un réchaud. Pas de frigidaire, pas de gaz, rien du tout. C'est-à-dire que finalement, lorsque Pessah est arrivé, cachériser cette maison, ça prenait 2 heures. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup. Aujourd'hui, ça prend 1 mois pour cachériser une maison. Il y a trop de choses dans une maison. Il y a trop de choses. Il y a des choses utiles, il y a des choses inutiles, il y a beaucoup de choses. Mais pour vous dire que la vie est plutôt moins compliquée que la vie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, même chez les religieuses, vous saviez, c'est pas facile, c'est dur. Il y a quelqu'un qui m'a dit hier, c'est quelqu'un, il vient chez moi avec sa chemise, il faisait chaud. Il me dit, vous n'avez pas chaud avec votre veste? Je lui dis, oui, j'ai chaud, j'ai le choix, qu'est-ce que je fasse? Il me dit, vous ne pouvez pas mettre une chemise courte et je dis, quoi, la chambre aussi? Il dit, pourquoi pas? Je regarde, je lui dis, bon, il a raison. Il vit dans son monde. Moi, je vis dans le mien. C'est tout. Je te comprends. Aujourd'hui, être dans la tsinéroute pour une femme, c'est pas facile, surtout en été. C'est surtout en été. Bébé, je dois avoir l'honneur. C'est pas facile. Vous savez, Shabbat, je devais traverser. J'ai deux options. Ou bien faire un grand détour pour rentrer chez moi à la synagogue, à Yeshiva. Ou bien simplement, je traverse le parc et je vais économiser un quart d'heure au lieu de 25 minutes. Ça va prendre 10 minutes, 12 minutes. Mais ce parc-là, il est bien sûr en plein chaleur, il faisait très chaud, et bien sûr, tout le monde est allongé, tout le monde là-bas, ça pour 5 minutes. Et j'avais pas le choix. Marcher,
faire un grand détour, c'est aussi dangereux que traverser. J'ai dit à ceux qui étaient avec moi, voilà, on va traverser. Mais on peut traverser bien, à une condition. Il faut bien voir ce qu'il ne faut pas voir. Voilà. Alors, vous dites, c'est quoi voir ce qu'il ne faut pas voir? Je lui dis, en général, on marche toujours tout droit. Alors là, on va marcher nos yeux et vont être braqués par terre. C'est tout. On n'a pas l'habitude de voir la terre. Alors, pour une fois, on va voir la terre pendant 10 minutes, soit qu'on traverse. Et c'est ce qu'on a fait. Et pour vous dire que la vie, elle n'est pas facile, elle est très dure. Alors, mes amis, c'est ça justement ce qui a réuni, nous réunit aujourd'hui, venir pour les femmes, pour parler de quoi? Ben, je voudrais vous parler de ce qu'il a dit Bilham sur vous. Bilham, la première chose, la première réaction, lorsqu'il a vu les Juifs, tout d'abord, Hachem, il n'a pas laissé maudire les Juifs. Donc, même les bénir, il dit, j'ai pas besoin de ta bénédiction. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Bilham? À un moment donné, il a commencé à voir les Juifs, il a dit, va tout voir les Réakos, puisqu'il nous a fait Israël. Ce qui l'a surpris le plus, Bilham, à Racha, c'est qu'il a vu la tsnéot des Juifs. Comment les Juifs qui vivaient dans la pudeur. À tel point que, il a dit, Matouvo Alechayako, ces tentes, ces maisons juives, ces maisons là, comment, la façon comment ils vivent, ils sont super, ils sont extraordinaires. Bilham, à Racha, lui-même, il ne revenait pas. Il ne revenait pas. Lui, c'est un Midiani. Et lui, il est à Moab. Et lui, il est du Midian. Il sait comment les non-juifs ils se comportent. Il sait les nations comment ils vivent. Il sait comment l'Égyptien vit. Il voit les juifs comment ils vivent. Et il est devenu fou. Il a dit, c'est pas possible. Un peuple comme ça. Comment? Ils n'ont pas des Tzara. Ils n'ont pas de mauvais penchants à les poser pour faire. Et en plus, ils sont tous réunis. C'est impossible. C'est pas. Je crois qu'il a dit, Matouvou à l'Ereyako. Il a vu que les tentes, et c'était pas, il n'y avait pas du vis-à-vis. Il a vu que les femmes sont sinéroutes. Il a vu que les hommes ne regardaient pas les femmes. Il voyait cette vie juive. Il est devenu fou. Je crois qu'il a dit, mais c'est impossible, c'est impossible. Mais maintenant, la question se pose. Comment c'est impossible. Bien sûr, vous savez, moi j'étais dans un avion, et puis voilà, j'avais soif. Je demande à l'hôtesse un verre d'eau. Elle m'apporte un verre. Mais l'avion bougeait. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Au lieu qu'elle m'amène le verre dans un plateau, enfin, elle m'amène le verre et le tenait avec ses mains parce qu'avec un plateau, il est tombé. Parce que vraiment, l'avion bougeait. En même temps, j'ai vu le verre et j'ai réfléchi en fait. En la fraction de seconde, j'ai réfléchi. Comment je vais faire? Pour tenir le verre, il faut que je la touche. Je vais la toucher. Alors comment je vais? Il faut vite réagir parce qu'elle tient avec le verre. Je ne veux pas la laisser attendre. Je dis, madame, merci, je passe quoi. Elle me dit, mais c'est le bout de l'eau. Je dis ça, je vais te remercier, madame. Elle le pose. Lorsqu'elle le pose, je dis, merci Hachem. J'ai pris le verre. Je dis, mais vous l'avez vu. J'ai décidé de boire. Vous pouvez répondre tout de suite. Elle m'a regardé. Elle est partie là-bas. Parce que j'ai vu, elle tenait le verre d'une manière que je vais toucher. Ça, ce que Bilham n'a pas compris. Bilham n'a pas compris cette façon que, comment le juif vit. Bilham n'a pas compris pourquoi, comment les femmes aussi vivent de cette manière-là. Comment ces femmes, quand il fait chaud, comment ils s'habillent comme ça. Ils s'habillent avec des longs jupes, ils s'habillent de cette manière que pas comme tout le monde. Pourquoi tout cela? Il n'a pas compris. Mes amis, ta réponse est simple. Adam est un mot d'ordre. Je voudrais simplement vous dire une phrase. Vous savez que la Torah, il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah qu'on ne comprend pas. Il y a des mitzvot qu'on comprend. Et justement, les mitzvot qu'on comprend, qu'on comprend, on sait. Respecte ton père et ta mère, on comprend. Ne tue pas, on comprend. Ne vole pas, on comprend. Manger cachère, on peut dire hygiène, on comprend. Et par exemple, il y a certaines mitzvot qu'on ne comprend pas. Par exemple, vous les femmes, Nida, pourquoi il faut rentrer dans un mikvé? Pourquoi pas une douche? Pourquoi pas la salle de bain? Non, il faut le mikvé. Pourquoi 7 jours? Pourquoi ceci?
C'est des questions qu'on ne sait pas. Il n'y a pas de réponse. C'est ce qu'on appelle faux. Par exemple, pourquoi est-ce qu'on doit faire de la Shkita? La Shkita, quelle est la raison de la Shkita? On fait la Shkita de la gorge, pourquoi pas de la nuque? Il y a des choses, pourquoi la cachemire? Pourquoi ne pas manger le sang? Il y a beaucoup d'émissions qu'on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi Shahatnez, le lait, la laine, ensemble, on n'a pas le droit de mettre le lait, la laine ensemble. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Ben justement, Hachem, il nous a donné des mitzvot qu'on ne peut pas comprendre et de les faire et de bien les faire. Pourquoi? Parce que Hachem, il veut, quelque part, il veut nous apprendre à l'aimer. Parce que pour qu'on aime Hachem, ben il faut qu'on aime. C'est pas qu'on aime Hachem parce qu'il nous a donné des mitzvot qu'on comprend. Non, même les mitzvot qu'on ne comprend pas, on les fait. On exécute les ordres. Hachem, il veut qu'on exécute des ordres. Exécuter des ordres. La semaine dernière, j'ai vu un vieux à Anvers, il a 92 ans, il m'a dit la phrase suivante, je lui ai demandé comment ça va, il me dit, ben, ça va très bien, grâce à Dieu, je vis. Baruch Hashem, ani mitafked, Baruch Hashem, mitafked, ça veut dire que je vis, et Baruch Hashem, je suis autonome, voilà, je suis indépendant, et je fais des mitzvot, je ne suis pas paralysé, je n'ai pas de tête sur les épaules, je suis bien. Et merci à toi, je parle. Ça va, je lui dis, et tu fais tout, mais tu vois, Hachem, je fais tout, je suis heureux, je suis bien, et bon, Hachem, et en plus, j'étudie la Torah, bon, Hachem, je suis très bien, je suis bien. Et après, il a ajouté une phrase. Hasdé Hachem. Hasdé Hachem. Hasdé Hachem, ça veut dire c'est la miséricorde d'Hachem. La miséricorde d'Hachem. Je vous en prie, écoutez bien ce que je vais vous dire. C'est quoi la miséricorde d'Hachem? Hachem qui me donne la vie. D'accord, je suis en bonne santé. D'accord, j'ai de l'argent. D'accord, je suis marié. D'accord, c'est la miséricorde d'Hachem que Hachem m'a donné une femme bien, des enfants. D'accord. Mais Hasdé Hachem, miséricorde d'Hachem, telle est moi, ben, j'étudie la Torah. Ça aussi, on dit la miséricorde d'Hachem. Ben, oui. Pour ceux qui connaissent, c'est quoi la valeur de la Torah? Ben, c'est une miséricorde que le bon Dieu t'a donné. La chance pour faire cette mitzvah-là. La chance que tu peux faire, vous les femmes, vous n'êtes pas obligés d'étudier la Torah. Mais vous faites des mitzvot. Et l'une des mitzvot que vous avez, bien sûr, l'éducation des enfants, votre mari, et bien sûr la cache-route, et bien sûr les mitzvot qui sont liées à vous. Mes amis, d'où cette force, elle vient d'être, par exemple, de respecter la culture. D'où cette force, elle vient que nous les hommes, de respecter, de ne pas voir ce qu'il ne faut pas voir, de voir uniquement ce qu'on est permis de voir. Les tentations, elles sont énormes, les tentations sont graves, je vous en parle de l'heure. Et hier, je recevais des gens, il y a soudainement une femme, elle rentre, elle claque la porte du bureau, elle ferme la porte, elle rentre avec un air, soi-disant, elle se croit chez elle, avec la façon qu'elle parle. Et justement, je dis, madame, la porte elle doit rester ouverte. Mais tu dis, non, non, j'ai à vous dire. Je dis, non, madame, vous êtes obligé. À un moment donné, elle va, elle ouvre la porte, elle s'assoit. Elle me dit, je ne peux pas parler parce que je ne sais pas comment entendre dehors. Je dis, madame, il y a la radio dehors, et avec la radio, on ne va pas vous entendre. Justement, c'est pour ça qu'il y a la radio, c'est pour qu'on n'entende pas ce qui se passe ici. Oui, madame, il faut nous comprendre, il faut que la porte soit ouverte. Elle me dit, et pourquoi? Je dis, madame, c'est mon droit. Vous êtes où, vous ne pouvez partir. Je ne suis pas obligé de rentrer. Il y a beaucoup de rabbins qui demandent. Mais vous avez besoin de moi, alors il faut exécuter ce que je voulais dire. Et soudainement, elle s'assoit d'une manière pas de sirop du tout. Je dis, madame, vous pouvez s'asseoir correctement, s'il vous plaît. Vraiment, c'est. Bon, il faut savoir aussi comment agir. À ce jeune homme, je ne vais pas jeter du bureau derrière nous, mais j'ai fait comprendre. À un moment donné, elle a bien compris. Elle m'a dit, c'est dur d'être juif. C'est dur, et surtout c'est dur d'être rabbin.
Et je dis, ben, je suis heureux, je suis très content d'être ce que je suis, et c'est comme ça. Mais mes amis, la question se pose, d'où cette force est bien de la part des femmes. Je dois vous dire une phrase. Vous, les femmes, je m'excuse de vous le dire, c'est pas, non plus, c'est pas facile pour vous, lorsqu'il fait chaud, de s'habiller correctement, c'est bémet, je vous plains, je vous comprends. Nous aussi, et alors nous, c'est encore pire. Nous, il faut qu'on fasse attention, on marche pas. C'est encore, mais d'où cette force vient? Il y a une Gemara qui dit, Adam qui a mout paoré, zot kokat la Torah. À quand je crois que vous avez donné la Torah? Cette Torah, Dieu va pardonner. C'est aimer ce que je vous dis. Cette Torah que Hachem nous a donnée, vous ne pouvez pas imaginer le bonheur et la grandeur de cette Torah. Déjà, je vous admire de tout. Vous venez écouter un cours de Torah en pleine journée. Il fait chaud dehors, et je ne sais pas ce que vous faites ici. Ben, vous êtes venu écouter un cours de Torah, et aussi vous êtes là pour recevoir le Racha, et vous êtes là, votre Hachem, parce que vous avez la Emouna en la Kadosh Baruch Hu. Alors, mais vous savez, ce n'est pas facile. Hein. C'est pour ça que mes amis, la Torah dit les autres, aucun. Ça, c'est la loi de la Torah. La Torah, vous savez, je voudrais simplement vous dire qu'un enfant, on lui donne un gros diamant, il ne le comprend pas. Il va le prendre, il va le jeter avec, il va le jeter. Donnez-lui un bonbon, il va le manger. Et mes amis, pourquoi? Parce qu'il connaît que le bonbon, il est doux. Le bonbon, il est doux. Mais lorsque ce bébé-là va grandir, et vous lui allez donner un bonbon, ou un chocolat, ou un diamant, bien sûr qu'il va choisir quoi? Le diamant. Parce qu'il sait, la valeur du diamant. Mes amis, la Torah, c'est de même. Au départ, la Torah, c'est comme un diamant. On ne comprend pas. On est comme des bébés par rapport à ce diamant-là. On ne sait pas c'est quoi ce diamant-là. On ne sait pas. On le prend, on le jette, on le dénigre, on ne le veut pas de lui. Et qu'est-ce qu'on préfère? Tout ce qui est sucré, tout ce qui est sorti, tout ce qui est matériel. Et à un moment donné, voilà, on écoute un cours de Torah. On commence maintenant à comprendre entre un goût, entre les diamants qui s'appellent Torah, et entre les choses qu'on sait que c'est du matériel. Je voudrais vous raconter une petite histoire personnelle. La semaine dernière, j'étais en Argentine. Il y avait, c'est une histoire que j'ai racontée plusieurs fois, mais je vous la raconte à vous aussi, parce que c'est pas vous plaire. Il y avait un homme qui vient chez moi il y a 6 mois. Il y a 6 mois, il m'apporte 2 feuilles. Il avait un problème de cœur. Je veux dire à toute la vie que j'ai un problème, et je ne sais pas quoi faire. Les médecins, ils m'ont donné 2 options. Comment faire l'opération? Ou cette méthode, ou cette méthode. Moi, je vois devant moi 2 dessins, 2 cœurs dessinés. Pour moi, je comprends rien du tout. C'est le même cœur. C'est le même cœur, c'est un dessin. Mais peut-être il y avait, sauf qu'il y avait ici quelques indications. Je dis, bon, c'est quoi le pourcentage de vie? Il me dit, ben, le pourcentage de vie, c'est 10%, 11%. S'il me fait cette opération-là, 90%, c'est la mort, et 10% de vie. Et cette opération-là, c'est peut-être 11% de vie et 89% de mort. Alors je regarde, je dis, attends, tu veux que moi je décide d'abord ou quoi? Alors, moi, ni l'un ni l'autre, je suis d'accord. Moi, je ne suis pas médecin, je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas dentiste, je ne suis pas un avocat, je ne suis rien du tout. Moi, je ne veux pas vous donner un conseil. Il lui dit, mais on m'a dit que vous pouvez me donner un conseil. Je dis, on vous a dit que je peux faire le bracha. Et après, c'est la grâce de Dieu. Mais vous donner un conseil, ça, je ne peux pas. Vous savez, beaucoup de fois, vous savez, pour tous ceux qui viennent me voir, j'ai toujours un signe de mes mains et j'écris. Et puis, j'entends, il a commencé à pleurer, il a commencé à me raconter un peu sa vie. Et moi, je voulais dire, que, soi-disant, dessiner le cœur, ça, vous savez. Oui, un peu, et puis, je dis, qu'est-ce que vous faites? Je suis en train de dessiner le cœur. Et je dessine le cœur. Je dis, monsieur, tu vas chez le médecin et tu lui dis que Rabbi David, il ne peut pas prendre de décision. Il peut, voilà, je fais une bracha, il se retrouve avec une photo. Et sur le dessin même, je lui dis la même bracha. Voilà, ben, c'est la bracha. Aïma Ukrim, longue vie, et l'autre côté aussi, Ben Saham, longue vie, et je dis, voilà, tiens, monsieur, voilà. Voilà, dimanche dernier,
le monsieur vient me voir. Je lui dis, alors, t'as fait l'opération ou pas? Tu l'as pas fait, je vois. Quelle option il a pris pour toi, le médecin? Il me dit, eh ben, il a pris votre option, la troisième option. La troisième. Quelle troisième? J'ai rien compris. Quelle troisième? Je sais pas, vous rigolez ou quoi? Il me dit, eh ben oui, mais vous avez dessiné un dessin. Je dis, eh ben moi, je voulais éviter pour pas se jeter à vos dessinateurs. Simplement, j'ai dessiné le cœur que le médecin a dessiné. Non, mais justement, le médecin dont j'ai pris votre dessin m'a dit, mais quel chirurgien il a fait ce dessin? Il m'a dit, ben c'est un rabbin. Ben, un rabbin. Mais c'est la meilleure option. Je commençais à voir les dessins et j'ai vu que j'ai dessiné le cœur. Je l'ai tellement mal dessiné que lui, il a cru, je sais pas, que lui, il a cru que c'était une option, comment faire le médicament, comment faire l'opération. Mes amis, c'est la immunité de ce juif-là. C'est rien du tout. Moi, je n'ai pas de médecin, je n'ai pas d'ingénieur, je n'ai rien du tout. J'ai simplement voulu imiter, entre temps que j'écoute ses problèmes, j'étais en train de dessiner un cœur, et après, je vois où il a fait. Par rapport à la Emouna, il avait ce juif-là. Il est parti, et l'autre médecin, il a vu ce qu'il a vu. Il a vu ce que moi, je n'ai pas vu. Regardez comment un jour, je fonctionne. La Emouna, c'est tout. La Emouna. Mes amis, la foi, la foi. Mes amis, Hachem nous a donné la Torah. La Torah, c'est la force. Zot Torah. Lorsqu'on fait des mitzvot, on ne sait pas en. S'habiller pudeur, s'habiller dans la synagogue. Pourquoi Hachem veut qu'on fait ça? Je m'en fous, pourquoi vous les femmes, vous n'allez pas vous habiller comme tout le monde? Et pourquoi nous les hommes, on doit s'habiller comme ça? Pourquoi? Ben, c'est la loi. C'est Hachem qui a décidé ainsi. Mais ce n'est pas facile. Surtout pour les femmes, c'est très dur. Ah, maintenant, j'arrive à la phase suivante. Vous les femmes, après 120 ans, votre chéri va venir. Par quel mérite vous allez ressusciter? Par quel mérite? On dit que ceux qui étudient la Torah, ils vont et à l'enfer le pain. Par quel mérite? Et voilà, nos sages viennent nous disent, c'est par rapport à l'éducation que vous donnez à vos enfants. C'est par rapport à votre mari que vous allez le réveiller pour aller à la synagogue. Vous allez pousser vos enfants à méditer. Par rapport à la cache-route que vous êtes. C'est votre responsabilité dans la maison. Voilà, par rapport à toutes ces choses-là, c'est ça qui va vous donner le titre et c'est ça qui va vous donner le billet de ressusciter lorsque chèque va venir. Le sage disent, je vous donne la parole d'honneur, jamais on a vu dans la Torah que Hachamim dise, grâce aux hommes de Saint-Ekim, il y a eu la sortie de l'Égypte. Par contre, vous les femmes, on dit, grâce aux femmes de Saint-Kaliot, les Juifs ont été libérés de l'Égypte. D'où vous avez cette force? Les Juifs, ils ont fauté dans le désert parce qu'ils ont critiqué Israël et vous, les femmes, vous n'avez pas critiqué Israël. Alors, vous, les femmes, vous êtes restées vivantes, vous êtes tous rencontrés en Israël à cause des hommes pendant 40 ans qu'ils sont restés dans le désert et sont morts. C'est une nouvelle génération qui est née dans le désert. D'où vous, les femmes, vous avez cette force? D'où vous, les femmes, vous avez eu cette force en Égypte? De, que grâce à vous, vous avez quitté l'Égypte, nous on a quitté l'Égypte, et ce, vous êtes resté vivant lorsque vous avez quitté, alors que tout le monde est mort dans le désert, et vous êtes resté vivant, et vous avez eu zéro de rentrer en Amérique d'Israël, alors que les maris, ils sont restés dans le désert. Par quelle force vous avez? De quelle force vous avez? De l'autre côté, on voit, dans le désert, Myriam, à Nébéa, on parle de qui? Ben, on parle de Sarah, on parle de Rivka, Léa, Rachel, on parle de Yahel, on parle de Déborah, on parle de Myriam. Ben, pas beaucoup de femmes dans la Torah. Mais par contre, lorsqu'on parle d'Abraham, Isaac et Jacob, on parle de Abraham, et Moshe, et Aaron, et on parle de Yitzhak et Jacob. Mais des femmes, on parle pas beaucoup. C'est bizarre. Pas beaucoup. De temps en temps, on mentionne que ici, Rivka, ici, mais en général, on ne parle que de Abraham. Pourquoi?
Mais je peux vous dire, si Abraham était Abraham, c'est grâce à Sarah. Et si Ishaq est devenu Ishaq, c'est grâce à Rivka. Et si Jacob est devenu Jacob, c'est grâce aussi à sa mère, Rivka. Et c'est grâce à Rachel et Léa. Et si Rachel et Léa, ils n'ont pas éduqué leur enfant, alors que Jacob était berger. Comment donner les deux chevatines? Et s'il n'y avait pas Sarah qui a donc conseillé à Abraham Avinu de s'occuper que de Yitzhak et non pas de l'autre? Qu'est-ce que. Jusqu'à ce qu'Abraham ait eu l'appel et Hachem dit à Abraham, Abraham, écoute Sarah ta femme. Écoute ce qu'elle te dit. Et s'il n'y avait pas Rivka, qui aurait reçu la bracha? Elsa ou Yaakov? Elsa déjà était voyou. Alors encore plus de bénédiction, c'est la fin pour nous. Et c'est grâce à qui que Jacob a reçu moins quelque chose? Grâce à sa femme. Grâce à sa mère, pardon. Les amis, si la Torah ne parle pas beaucoup des femmes, c'est parce que leur mari, c'est grâce à eux qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Vous avez compris? Ça veut dire que quelque part, c'est la femme est toujours en priorité, est toujours en numéro un. Si Abraham est arrivé, ce qui est arrivé, c'est grâce à sa femme. Isaac, Jacob et Moshe. Parlons de Moshe. Moshe l'a quitté Midian, il est parti en Égypte. Qui s'est occupé de l'Ezel de Gershon? Sa femme. Qui est-ce? Tzipporah. Tzipporah à Midian, toute seule, a éduqué les enfants et après les a ramenés au désert. Mes amis, d'où cette force? D'où? C'est quoi la source? Que les femmes y sont extrêmement, c'est grâce à eux que le peuple juif y tient. Et c'est à eux que c'est eux les responsables, et c'est eux, et c'est eux. Vous savez que le Maharsha, il y a un grand tzaddik, il s'appelle, c'est un grand écrivain, le Maharsha, il s'est donné son nom de famille, il a pris le nom de sa belle-mère, il a mis son nom de famille, le nom de sa belle-mère, il a mis sur le livre, comme nom de famille. Et tout le monde s'est étonné. Ils lui ont demandé, mais comment tu as appris le nom de ta belle-mère? Et il leur a dit, en plus tu as mis le nom de ta belle-mère comme nom de famille. Et il leur a dit, bah, c'est grâce à elle que je suis là. Si je suis David Haram, si je suis ce que je suis, ben c'est grâce à elle. Je veux simplement vous dire, s'il n'y avait pas ma mère, quand j'avais 10 ans, jamais j'oublierai, il y a un rabbin qui vient chez mon père. Il dit à mon père, tes enfants David et Haïm, qu'est-ce qu'ils vont devenir un jour? Mon père lui dit, ben justement, je ne sais pas comment. Et au Maroc à l'époque, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait rien, il y avait le Talmud Torah. Il y avait les écoles d'alliance, il y avait le Talmud Torah. C'est tout. Et à un moment donné, il y avait la Aliyah, les gens de partout d'Israël. Et mon père lui dit, qu'est-ce que tu penses? Dit, et si tu les envoies à l'échiva en France? Tout de suite, ma mère, elle a dit non. Non! J'étais content. Très content parce que, quoi, t'es la France. C'était la première fois de ma vie que j'entends le mot France. C'est quoi France? Non, je dis non. Elle a dit non. Et voilà, je vois encore. Le soir, j'entends la conversation. Mon père qui dit à ma mère, il lui dit, Bazal, tu es sûr qu'on n'envoie pas Haïm David à l'échiva en France? Et ma mère lui dit, mais si on les envoie, ça ne va jamais les voir. D'ailleurs, tel et tel, elle n'a pas vu ses enfants, c'était 5 ans. Et tel et tel, depuis 1950, elle n'a pas vu ses enfants, parce qu'elle les a envoyés en... Et c'était en 1960, à cette époque-là, j'avais 10 ans. Mon père, il se fait, et encore... Il dit, mais c'est quoi leur avenir? Eh bien, leur avenir, je ne sais pas, comme tout le monde. Mais c'est quoi comme tout le monde? Et ma mère, elle ne répond pas. Et mon père, il part. Et j'ai commencé à baisser le bras. J'ai commencé à comprendre que ma mère, elle allait céder. Elle allait dire à la fin oui. Et à la fin, elle a dit à mon père, bon, fais ce que tu veux. C'est ta responsabilité. Donc, une semaine plus tard, on m'a mis dans un train. Et on m'a envoyé en France, à l'échiva. J'ai pas vu ma mère 3 ans. Elle est retournée à l'âge de 3 ans, 13 ans, que de faire la mitzvah à Paris. J'avais joué le Léon.
c'était la Rue des Rosiers, une petite synagogue là-bas. Et là-bas, le lendemain, elle m'a pris à l'échiva en Angleterre. J'ai pas vu mon père 7 ans. 7 ans. Ma mère, je l'ai vue en 7 ans, une fois, une semaine, pas plus. Et voilà, mes enfants, mes amis, comment ma vie, comment elle est devenue. Maintenant, je vous dis quelque chose. Imaginez-vous que ma mère, elle a dit à mon père, non, que j'aurais vu aujourd'hui. Ce soir, je ne serais pas là, maintenant. Je ne sais pas qui j'aurais dit. Je voudrais bien savoir qui j'aurais dit. Inventera, bien sûr que non. Je ne sais pas qui j'aurais dit. Peut-être un commerçant. Peut-être, je ne sais pas quoi. Vous voyez ma crédité. Mesdames, est-ce que la femme peut faire? Alors aujourd'hui, j'ai vaincu Chivo. Aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui ont été chevaux. Ben, tout ça, c'est le crédit de ma mère. C'est ma mère. Bien sûr, c'est... ça, c'est les femmes. Parce qu'elles s'est tuées. Hein. Le fait qu'elles s'est tuées, et je vous dis une chose, je lui dois tout. J'ai même pas de mots. Lorsque aujourd'hui, je vois tout ce que je fais. Et tout ce que j'ai fait, eh ben, je lui dis grâce à elle, aussi grâce à ma femme. Parce que ma femme aussi, elle aurait pu dire, David, tu voyages pas. David ne fait pas ça. David ne fait pas ça. Non, je ne vais pas dire chez vous. Je suis obligé d'exécuter les ordres. C'est la femme. Voilà. Mais grâce à Dieu, j'ai aussi une belle-mère qui était gentille. Que ma belle-mère, elle disait à ma femme, laisse-le voyager. Laisse-le, c'est pour les forces, c'est pour la Torah. Laisse. Donc, vous voyez, mes amis, on est entouré des femmes que grâce à eux, aujourd'hui, on est là. Ah, mais donc, je voudrais simplement vous dire la phrase suivante. On dit que la semaine dernière, c'était la paracha de la mort de Myriam. On nous parle de la mort de Myriam que lorsque elle est morte, il n'y a eu plus d'eau chez les Juifs. Alors maintenant, la question se pose, quel est le rapport, quel est le lien? Myriam, elle est morte, il n'y a plus d'eau. Alors quand elle est morte, les Juifs, ils ont dit, bon, elle est morte, elle a 80, elle a 120 ans, elle a 122 ans. Elle est vieille. Elle est vieille. Mais attends, mais c'est grâce à elle que vous avez eu l'eau pendant 40 ans. Donc c'est la raison pourquoi d'un jour, il a voulu faire comprendre les Juifs. Et non seulement que grâce à elle, vous avez eu l'eau pendant 40 ans, mais elle avait un grand mérite, son mérite à elle, parce que c'est elle qui s'occupait des femmes. Mes amis, sachez une chose, toujours derrière une femme qui est religieuse, une femme qui suit la Torah, il y a une autre femme. Il y a ou sa mère, ou une rabbinite, ou quelque chose, ou un livre, le Torah, quelque chose comme ça. Donc, n'oublie pas que toutes les femmes dans le désert, il y avait une femme qui les surveillait. Et c'était qui? Très Myriam. Pour les hommes, ils avaient Moshe et Aaron, et pour les femmes juives, ils avaient Myriam. D'ailleurs, vous êtes tous conscients que lorsque les Juifs ont traversé la mer, et que tout le monde a chanté Azash et Moshe, une fois que tout le monde a traversé la mer, une fois que tout le monde a chanté le chant qu'on fait chaque jour, qu'est-ce qu'elle a fait Myriam? Elle a pris les femmes de côté et leur a dit, venez nous, c'est pas ce que la terre. Venez nous, c'est pas chanter, on va donner un peu des ailes aux anges. Et voilà, eux aussi, c'était Myriam, là, c'était elle qui menait les femmes à respecter le Torah et Mitzvot. Donc, lorsque Myriam a le temps, la question que je voudrais vous poser, c'est la chose suivante. On dit que grâce à un rocher, il y avait la manne. D'accord? La manne, c'est le manger. On dit que grâce à Aaron, il y avait les 7 nuées. Les nuées qui protégeaient les Juifs. Et grâce à Myriam, il y avait quoi? L'eau. Alors maintenant, la question que je vous pose, pourquoi c'est grâce à Myriam qu'il y a eu de l'eau? Quelle est la raison? Alors vous allez me dire, j'ai entendu une voix d'ici, que l'eau c'est la Torah. Mais quel est le lien? Parce que quand Moshe est né, elle a suivi. Oui, madame. Ça, c'est ce que Chachamim dit. Que l'eau, c'était par rapport à l'éternité. Elle a suivi de Moshe de l'eau, alors que ça a été jeté à l'eau. Et Hachem lui a donné que par son mérite, les Juifs, ils ont bu de l'eau. Mais quand même, c'est quoi le symbole du BR, du puits, de l'eau, grâce à Myriam? Écoutez très bien. Moi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais je voudrais simplement vous dire quelque chose qui est lié à vous, les femmes. Vous, les femmes,
Comme je vous ai dit tout à l'heure, votre responsabilité, elle est énorme. Vous êtes des femmes constructeurs. Écoutez bien. Donc, sachez qu'il a créé Hava. C'est écrit dans la Torah. Vayiver. Hachem, il a construit. Alors, nous, ça, j'y dis, pourquoi on construit, c'est quoi, ben, Hachem, il a construit Hava. C'est quoi construit? Et les Hachamim, ils disent non. Vayiver, ça veut dire bima et tira. C'est que Hachem, il a donné une sagesse supplémentaire à la femme. Vous, les femmes. La patience que le bon Dieu vous a donnée. Lorsque vous êtes enceinte, la patience des enfants, la patience à l'aider les enfants, la patience de se réveiller et dormir avec les enfants. Sachez que vous a donné cette patience-là. C'est un pouvoir extraordinaire. Vous savez, nous les hommes, on n'a pas de patience. On a pris la patience pour s'en étudier la Torah. Et à savoir. Mais vous, les femmes, vous avez. C'est la raison pourquoi on dit que ma mère est née. Une femme cachère a construit sa maison. C'est quoi une femme cachère? Pourquoi il y a une femme d'arrêt? C'est quoi une femme cachère? Eh bien, c'est quoi une femme cachère? Une femme cachère, c'est dire, c'est quoi cachère? Cachère, c'est dire, voilà, j'ai un morceau de viande, il est cachère. Dans ce morceau de viande-là, il ne peut pas avoir un côté cachère et un côté qui n'est pas cachère. Si il y a un côté qui n'est pas cachère, jugez tout. Il n'y a pas, ça n'existe pas dans une viande. Écoutez, une marmite, on ne peut pas dire sur une marmite de viande, il y a un côté cachère et un côté qui n'est pas cachère. Si il y a un côté, c'est impossible. Alors, tout n'est pas, ou tout est cachère, ou tout n'est pas. C'est ça la femme. Et chaque chéra, une femme cachère, va t'aller là. Et comment elle peut être cachère, cette femme-là? Ben, comment? Eh ben, si elle utilise les forces que le bon Dieu lui a données. La force que le bon Dieu lui a données. Si elle utilise ces forces-là, eh ben, elle a réussi. Isha Kshera Bata Beta. Une femme cachère qui utilise les forces que Hachem lui a données, la sagesse, l'intelligence, eh bien, c'est elle qui va construire son foyer. C'est la raison pour laquelle le mot Vaïven, on peut le traduire à double sens. Ou construire, ou bien sagesse. C'est-à-dire, par rapport à la sagesse que Hachem lui a donnée à cette femme-là, à Hava, eh bien, elle peut l'utiliser pour construire. Sinon, elle va détruire. Donc, c'est la force. Ou de détruire, ou de construire. Et pour les juifs, c'est pas facile. C'est très très dur. Et c'est la raison pourquoi on a besoin de la Torah. La Torah, elle aide. Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Regardez. Dans la paracha de Sarah, moi, j'adore Sarah. Sarah, elle est ma grand-mère, mais je l'adore. Je sais si je l'adore, Sarah, parce qu'elle est super. Regarde les arguments qu'elle a donnés à Abraham Avinu. Abraham Avinu, il a deux femmes. La première femme, c'est Sarah qui lui a apporté. De cette femme, il a un enfant. Et Abraham Avinu, à la recherche, il aime les deux. Et Sarah lui a donné un enfant. Donc, Abraham, il aime les deux enfants. Il aime ses deux femmes. Et voilà, Sarah, elle vient. Il dit à Abraham, non. Dégage, je ne vais pas chez moi. C'est dur pour Abraham, c'est sa femme, c'est son fils. Mais qu'est-ce que dit Sarah? Sarah dit à Abraham, dis-moi Abraham, qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches une descendance qui va recevoir la Torah et qui va suivre le chemin de la chaîne ou tu cherches autre chose? Si tu cherches une descendance qui va suivre le chemin de la Torah, alors tu ne fais que Mitzhak. Le reste, tu le mets de côté. C'est dur pour Abraham. Et Hachem, il vient chez Abraham. Il dit à Abraham, Abraham, écoute ta femme, elle a raison. Écoute ta femme. Regardez, lorsque mon père a suggéré à ma mère, il aurait dû dire à ma mère non. Et il aurait dit, aujourd'hui, je ne serai pas là. Regardez, mes amis, jusqu'à où la femme peut aller. Même Bilham Aracha, il admet, même que lui, il vit dans son monde à lui, un monde pourri, un monde sale. Et lorsqu'il a vu comment les juifs ils vivent, comment ces femmes ils vivent, il est obligé d'être d'accord. Regardez Yael. Yael,
Au départ, on va dire que Yaël, elle a fait une bêtise. Lorsqu'il y avait la guerre Sisra, la guerre contre les Juifs, et Sisra, qui était un chef d'état-major ennemi, il vient avec des centaines de milliers de soldats pour conquérir Israël, et voilà, à la fin, Dévora et ils ont gagné, les Juifs, ils ont gagné la guerre, et Sisra, il se sauve. Attends, Sisra, c'est un homme, un voyou. Il se sauve. Pour Eshkil, il va chez Yael. Il va chez Yael. Mais pour Yael, elle a deux options. Si elle est Sisra, elle s'échappe, Sisra, il peut encore ramener d'autres forces, d'autres soldats, et faire la guerre contre les Juifs. Et peut-être entre temps, les Juifs, ils vont faire des fautes, et Sisra va en profiter. Et c'était Yael. Elle réfléchit. Elle voit que Sisra, il est un peu épuisé par la guerre. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle le séduit. Elle lui donne à manger. Elle va avec lui. Et la Gemara dit qu'il y a eu un miracle. Qu'est-ce que le miracle? Le miracle qu'il y a eu, je ne vais pas rentrer dans les détails, que Sisra, il s'est endormi. Et là, Yael, il s'est levé. Elle a tué. Et lorsqu'elle a tué, c'est là où la guerre, c'est là où la victoire est venue aux Juifs, à tel point que la prophétesse Déborah a dit « Tevorach menachim, Yael » que Yael, elle soit bénie. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de filles, ils s'appellent Yael. Par rapport à ce geste qu'elle a fait Yael, à tel point qu'on dit « Yael, c'est elle qui a sauvé les Juifs. » Elle devait prendre des décisions. On n'a rien à faire et le laisser partir. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle il y avait aussi un danger pour le petit juif. D'autre côté aussi, il y avait un autre danger. Que Sisra, il voulait faire la faute avec elle, et il allait la tuer. Donc, il a pris des décisions graves. Et ces décisions-là, ils sont devenus bénéficiaires pour le peuple d'Israël. Voilà, mes amis. Ce que les femmes, regardez l'histoire de Ruth et sa sœur Orpa. Les deux, ils sont sœurs. Les deux, ils ont grandi dans la même maison. Les deux, ils avaient la même belle-mère, qui s'appelle Naomi. Et les deux, ils ont décidé de partir avec Naomi en Israël. Mais voilà, Naomi s'arrête au milieu de la route. Elle demande, allez, stop, vous arrêtez, vous êtes les filles d'un roi, vous n'allez pas venir avec moi, j'ai pas d'argent, j'ai pas de manger, j'ai rien à vous donner en Israël. J'ai quitté Israël riche, je suis une femme pauvre, j'ai rien du tout. Et Ruth dit non, Arosi dit non, on va avec toi. Et à un moment donné, Naomi elle insiste et Arpa s'arrête. Elle dit, elle pleure, elle en a sa belle-mère, elle fait demi-tour. Et Ruth, non, elle continue. Je vous pose la question, quelle est la différence entre Arpa et Ruth? Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la tête de Ruth? Et qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la tête? Et de Ruth, il est sorti David Amelech, Mashiach. Voilà. Voilà ce qui est sorti de Ruth. Mashiach. Et de Orpah, il est sorti quoi? Qui? Goliath. Et les trois géants, ils ont fait la guerre à David Amelech. Ils sont tombés entre les mains de David Amelech. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous en prie. Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête? Qu'est-ce qui s'est passé dans leur tête, les deux? Eh bien, mes amis, vous savez, Orpah, elle a vu une vision. C'est quoi la vision qu'elle avait? La vision, tant qu'elle était, je vous en prie, écoutez ça. N'oubliez pas que Orpah était quand même une princesse. Quand même, elle était une princesse. Elle était fille d'un roi. Et s'est dit, bon, ici, j'ai mon père, j'ai ma mère, il y a le palais royal, c'est mon pays, Moab. Je vais partir d'Israël avec ma belle-mère. Où je vais dormir, elle vient de dire qu'elle n'a pas d'argent, elle vient de dire qu'elle n'a pas de. Elle est pauvre. Où je vais vivre, où je vais dormir. Là, moi, si j'ai faim, je vais chez ma mère, elle me donne. Et là-bas, j'ai faim, qui va me donner à manger. Donc, le côté matériel, il a stoppé pour ne pas aller de Naomi. Par contre, Ruth, il n'a pas vu le côté matériel. Elle a vu le côté spirituel. Je m'en fous. Et dit à Naomi, ton peuple c'est le mien. T'as pas de manger, je mange pas. Tu dors par terre, je dors par terre. Je m'en fous. Je m'en fous du reste. Je veux être comme toi. Je veux me coller à toi.
Eh bien, justement, quand Jéhovah il a dit à Ruth, Ruth, c'est ce que tu veux? Eh bien, je ferai de toi une reine. Je ferai de toi non seulement une reine, mais de toi, ils sortiront les rois. Et de toi, ils sortiront Mashiach. Parce que quand même, elle a laissé son royaume. Alors, je lui ai donné un royaume spirituel et matériel. Il lui a tout donné. La parole dit que dans Shlomo HaMelech, lorsqu'il a inauguré ses palais, il a inauguré le Beth Amikdash, la Gemara dit que Ruth était encore vivante. Ruth, elle est restée vivante des centaines d'années. Hachem, il a montré à Ruth, il a voulu montrer pour la phrase qu'il a dit, pour le choix qu'elle a pris, voilà, elle a bien choisi. Voilà. Et moi, Shlomo HaMelech, qui était le roi, qui était le roi sur le monde. Voilà ce que Hachem a montré à Ruth. C'est ça, mes amis. Voilà, mes amis, la force que vous, les femmes, vous avez. Je voudrais simplement vous dire une chose. L'eau. C'est-à-dire, j'ai entendu, l'eau, c'est la Torah. On compare la Torah. Il faut savoir une chose. Le champagne, c'est dur. Hein, oui ou pas? Ah, je raconte une petite histoire de champagne. Il y a un couple qui vient chez moi, et ce couple-là, les deux ils s'assoivent, ils ne se regardent pas, les deux me regardent. Alors aussi je la regarde. Je dis oui, il dit à sa femme, bon, c'est pas que vous voulez venir, tu pars. Déjà, boum, à rebond. Il lui dit, attends, on est d'accord que toi aussi tu dis ce qui va pas. Non, non, chez moi tout va bien. Ouais, tout va bien chez moi. Bon. Mais ça ne peut pas être tout va bien puisqu'on divorce. Il dit oui, mais parce que toi, il a commencé à le bombarder. Il n'a pas laissé dire un mot. Alors là, vous ne savez pas qu'il ne va pas parler, finalement, il a eu l'appétit. Et il a commencé à parler, bombarder, papa. La pauvre, elle a commencé à pleurer. Il dit, bon, j'ai plus rien à dire. D'abord, je vois qu'elle se lève pour partir. Je vois que j'aurais dit, non, c'est où? Je dis, monsieur, ça ne te dérange pas. Tu sors dehors. Tu attends ce que je t'appelle. Et je dis à la femme, là, la pauvre, elle commence à parler. Elle me dit ses arguments. Elle me dit, travaille. C'est un bon mari. Il travaille dur. Mais ce que je reproche, il rentre à la maison, la télé, le téléphone, la télé. Il ne m'aide pas pour le devoir, il ne me fait pas ça, il ne me fait pas ça. Et lorsque je parle, c'est les insultes, et lorsque je parle, et le Shabbat, parce qu'il ne fume pas, c'est la guerre. Je dis, bon, c'est bon. J'appelle le monsieur, et là je tombe sur le monsieur, dès que je tombe sur lui, il lui dit, alors tu as tout dit alors. J'écoute la version, j'ai écouté sa version. Je lui dis, c'est mieux que tu ne vas pas prier, et c'est mieux que tu fumes Shabbat. Si c'est que tu ne fais pas Shabbat pour apporter le maror à la maison, c'est pas la peine. Fume Shabbat pour ça que tu es calme. Au moins, si tu fumes Shabbat, tu fais une seule faute, mais toutes les fautes que tu fais le Shabbat, tu fais des millions de fautes le Shabbat. Alors, autant faire une seule faute que de faire des millions. En plus, tu casses, tu insultes, et après, il n'y a pas de tridouche. Et après, tu rentres chez. Après, tu laisses ta femme toute la semaine travailler, comme toi tu travailles. Et à la fin, il a vu que j'étais dur avec lui. Il a baissé la tête. Ce que j'ai bien aimé chez la femme, il dit bon, c'est de ma faute. J'ai adoré ça. Et pourtant, il n'y a rien. Lui, il la regarde et lui dit, non, non, je ne voudrais pas redresser la même histoire hier matin. Pour la première fois après un mois et demi, le mari dit à sa femme, oui, c'est de ma faute. La guerre, l'orgueil. Et l'orgueil, dans la maison juive, il faut qu'il y ait un peu d'eau, il faut arroser un peu de l'eau. Lorsque quelqu'un est en colère, quand j'ai tapé sur un peu de l'eau, il faut un peu se calmer. C'est ça, mes amis. Le kouach, le symbole de la femme, c'est l'eau. Vous savez, c'est quoi l'eau?
l'eau toujours aidée, on trouve l'eau par terre. On trouve pas l'eau dans les hauteurs. Toujours l'eau, il est toujours dans les profondeurs. Il y a toujours des puits. On cherche pas l'eau dans les plafonds. On cherche pas l'eau dans les, je sais pas, dans les hauteurs. On cherche l'eau, on creuse pour chercher l'eau dans les profondeurs. Eh bien, mes amis, c'est ça le symbole de Be'er Mayam. Le symbole de Be'er Mayam, c'est savoir, Be'er, elle a enseigné aux femmes la patience. La patience, c'est la patience d'humilité. L'eau, s'arroser avec de l'eau. Ça veut dire, et c'est aussi l'eau, la Torah. C'est dire, voilà le symbole de la femme, de Myriam, qu'elle a voulu enseigner à Israël. Puisque Hachem sait que si Myriam, s'il n'y a pas la femme, il n'y a pas l'homme. Et alors Hachem lui a donné la Torah, la première phrase qu'il a dit à Moshe Rabbeinu, quand on va le Beit Yaakov, il faut que tu expliques bien aux femmes gentiment, mais aux hommes, sois dur avec eux. Parce que les hommes, ils sont durs. Donc avec eux, tu dois être dur. Mais avec les femmes, sois simple, sois cool avec eux. Explique-leur bien. Et justement, à Bodaï, c'est Hachem qui a décidé de cette manière-là. Il y a le manger spirituel qui s'appelle la manne. Vous savez que lorsqu'on mangeait la manne, c'est du spirituel. Mais, et la manne est descendue du ciel. Oui ou pas, on est tous d'accord. La manne qui est descendue du ciel, c'est un manger spécial qui va nourrir l'homme et qui reste dans le corps de l'homme. C'est un manger très charaïmi, spécial qui vient du ciel. Et de l'autre côté, la Torah te dit, mais n'oublie pas, tu es de la terre. L'eau est venue de la terre. Alors la question se pose, mais pourquoi l'eau ne venait pas aussi du ciel? Pourquoi il n'y avait que le manger qui venait du ciel? Pourquoi pas l'eau aussi? Que l'eau aussi descend du ciel? Pourquoi il fallait que l'eau reste, qui vienne de la terre? Eh bien justement, Hachem, il a voulu que, n'oubliez pas une chose, que le temps qu'on vit, t'es venu de la terre, tu partiras de la terre. C'est de l'eau qui vient de la terre, il te rappelle toujours quelque chose. Tu manges manger du ciel, mais tu n'oublies pas, tu es dans la terre. Tu es un grand tzaddik, très bien, mais tu es de la terre. Et pour être un vrai bon tzaddik, l'étude de la Torah est calme et simple. Il faut être ta'ada, l'humilité. Ta'ada, comme je l'avais dit. Eh bien, c'est ça, derrière, mes amis. Ça, c'est l'enseignement qu'on apprenait de Myriam, de Myriam et Myriam. Ça veut dire quelque part que vous, les femmes, vous avez un rôle extraordinaire dans la religion juive. Mes amis, je voulais terminer avec cette phrase. J'avais un grand problème. Comment faire un shalom bayit cette semaine? Un grand problème. Il y avait une femme et un homme. La femme et l'homme, ils sont déjà en séparation depuis 7 ans. 7 ans de séparation. Il ne veut pas donner le guet. Et la femme aussi, elle ne cherche pas à recevoir le guet parce qu'elle a 7 enfants. 7 enfants et 7 ans de et la guerre. Alors, je ne sais pas quoi faire. J'étais très, très, très ennuyé, embêté de voir cette femme-là pour souffrir. Je commence à réfléchir. Comment faire? Comment faire? L'homme, le monsieur, il a ses arguments. La femme, elle a des arguments un peu graves. Et je n'ai pas raison à la femme, mais de l'autre côté, je crois que la femme tient beaucoup à ne pas dénoncer parce qu'elle a 7 enfants. Elle fume le Shabbat. L'homme, il n'accepte pas ça. Je le comprends. A revenu le guet. Je lui dis, a revenu le guet. Non, je ne vais pas lui donner le guet parce que j'ai 7 enfants. Moi, je laissais. Non, c'est pas normal. Alors, tu ne veux pas te marier, tu gâches ta vie, tu gâches ta vie. Et à la fin, je lui dis à la fin,
je ne peux pas t'aider, mais il n'y a rien, parce que j'ai déchiré tous les rabats, tous les rabats. Et tout le monde a dit, il faut dénoncer. J'ai dit à, au monsieur, je veux que tu étudies, que tu fasses ce qui est bon, que tu es libre. Pourquoi, quand je vais au cours, il ouvre les portes. Et j'ai dit à la femme, madame, je veux que tu lis beaucoup de Tehillim. Mais une fois que tu lis bien Tehillim, je veux que tu le lis en français. Et après, tu viens me voir, et on va demander, on va faire le goral, toi et moi, est-ce que ce monsieur là, c'est un mazal ou pas? Mais ce que je te dis, tu le fais. Elle me dit, sauf une chose. Pas me dire qu'il ne faut pas que je fume Shabbat. Alors là, mes amis, je n'ai pas le choix. J'aurais dit à tous deux, je vous ordonne de divorcer. Reste pas ensemble. 7 ans déjà, c'est trop. Toi, tu vas rester dans tes positions. Et toi, tu vas me donner le guet. Je vous ordonne maintenant de donner le guet, et je dis à la femme, pour une cigarette, hein. Allah, Allah. Et je lui dis, pour une cigarette, tu gâches. Madame, il faut comprendre ce monsieur-là, il veut faire Shabbat. Il veut faire Shabbat. Mais ce que je lui reprends, veut, pourquoi il bloque sa femme? C'est ça, pourquoi il bloque sa femme? Ça y est, tu veux pas rester avec elle parce qu'elle fume Shabbat, alors donne lui son guet. Pourquoi? Alors elle a divorcé civilement, il a tiré le guet. Ça c'est grave. Écoutez très bien. Elle était choquée, parce qu'elle a cru que moi j'allais l'aider. Et je la regarde encore, je dis, pour une cigarette. J'ai donné une cigarette. J'ai donné une cigarette. Hein? Je dis, donne une cigarette. Je prends la cigarette. Je dis, allume. J'ai arrêté de fumer depuis 10 ans. Et je commence à la fumer. Et je lui dis, vous savez, lorsqu'on arrête de fumer, on tousse. On s'est toussé. J'ai avalé, après je l'ai éteint. Je dis, pour ça. Tu es en train d'éteindre ta vie. Tu as 7 enfants. Elle me regarde, elle réfléchit. Je dis, madame, je ne pense pas que tu fumes Shabbat parce que tu as envie de fumer. C'est parce que tu veux te venger de lui. C'est tout, hein. Vous avez un problème, les deux, de Gaava. Lui ne veut pas te donner le guet. Et toi, tu lui fais souffrir par rapport à la cigarette. Enlever cette gave, elle construit chez toi. Et je lui ai parlé pendant quelques temps. Grâce à Dieu, ils ont fait la paix. Hier, je me suis vanté devant tout le monde. J'ai réussi. Je me suis vanté que le Shabbat, j'ai réussi. Quelque chose, ça va. Mes amis, il y avait une fois, monsieur, il était pauvre, il avait éclaté la vie. Le pauvre, il n'a pas d'argent, il a un duel. Ah, il m'a volé ici. Ben, le pauvre. Le pauvre, il vit très mal. Toujours, il écrit au. Il va dans tous les. Comment ça s'appelle les bureaux de DEM, les bureaux de. Les sociales. Ouais, le pauvre. Il était école du jeu, ses enfants sont dans les écoles juives. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Une fois, il y avait un soir, c'était en plein hiver, il y avait un voisin qui dit, je vais partir à Tveria. Je vais venir à Pédir par la messe. Il paraît qu'il avait des rabbins. Il dit là-bas, il nous a mérite. Je vais aller chez lui pour le bracha. Est-ce que tu veux venir avec moi ce soir? Il me dit, je ne sais pas, mais là, je travaille ici. Il dit, bon, qu'est-ce que tu veux? On va aller sous ta nuit. Et on est là le matin. Alors sa femme lui dit, allez, va.
Ce n'est pas que je pense, que je attends, va, que je perds, reçois une bracha. Il va payer les risques, que je perds. Ils sont partis, ils arrivent à Tveria, ils vont chercher des miroirs, et là-bas ils partent. Chez le rabbin là-bas qui reçoit les gens toute la nuit, parce qu'il était là pour le 24 après, il retourne en Amérique. Et ouais, le rabbin il lui dit, qu'est-ce que vous avez besoin? Ouais, j'ai pas de part à ça, j'ai des enfants, une grande famille, et j'ai deux chambres, rien du tout, ouais, et j'écris des lettres à tout le monde, et mis ça à Bahal, les bureaux des aides sociales, les scattes à Sarad, et personne ne répond. On avait dit, bon, mais les attachés, qu'est-ce que vous aide. Qu'est-ce qu'il lui donne? Il lui donne une pomme. Alors, toute la route, il dit, ouais, toute la nuit pour une pomme. Toute la nuit pour une pomme. Bon, il arrive le matin, il rentre chez lui, et voilà, toute la famille, avant qu'ils soient tous partis à l'école, il arrive le bon matin. Papa, papa, papa. Et on dit, ah, que je suis appelé papa de Tveria. Une pomme. La femme, elle dit, elle dit, si, si, ah ben, je suis parti toute la nuit pour une pomme. Une pomme à la rave. Mais cette pomme, elle a la valeur. Mais c'est une pomme. C'est, il y a le rachat dans cette pomme. Il y a tout là. Mais c'est le rachat. Mais qu'est-ce que tu parles? Ah ouais, ben, tu es contente. Ben, je croyais que tu allais s'énerver sur moi. Non, le contraire, on rachète. On trouvait moi. On a l'habitude d'aller pérenner de cette équipe. Vous savez, moi, chaque année, on allait le donner, et puis au Maroc. Je rigole quand j'envoie les femmes parler au tzaddik. Elle a vu, mais qui dit au tzaddik? Le tzaddik, il est contre lui, la fille de ça. Vous savez, c'est quoi la pivesse? C'est que je prends des valeurs. Ça veut dire, toi, mais il est mort. Elle demande, quand tu vas là, c'est des brachot, c'est des femmes, ils ont une émouna. Les hommes, ils priment. Il n'y a rien qu'on voit, ils disent, c'est grâce à vous qu'on est là. Mais c'est cette vraie chose. La façon que vous priez, que vous allumez les... Moi, j'allume les bénéchats pour tous les soirs, mais je fais une prière rose, mais ma femme, elle ne rate personne. Je vous en parle, elle ne rate personne. Et tous les gens qu'elle connaît qui sont malades, elle est bien, alors pour moi je fais vite. Et j'allume cette bougie et je fais vite. Alors que elle, c'est ça vous les femmes. Ces femmes qui vont au Maroc, ça déquine, que les rêver. J'entends la façon, ce qu'ils demandent, c'est rien à voir avec ce que les hommes ils demandent. Les hommes ils demandent, je veux réussir, l'argent, réussir. Et voilà, c'est tout. Et une bracha avec une bracha en résumé. Mais les femmes, non, ils veulent, une fois qu'il y a une femme guerre, elle m'a tué. Elle a pris une liste. Et chaque fois, j'ai une bracha pour celui-là. Madame, non, elle a dit, cela dit, quand. Non, Rabbi David, j'ai promis. Et j'étais un peu pressé. À un moment donné, j'allais me lever pour partir. Je me dis, Rabbi David, c'est pas fini. D'un côté, je voulais me garder, et de l'autre côté, je disais, mais mon âme, c'est femme. La sœur Mouna, elle m'a gagné. Voilà, je vous dis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme, elle apporte un couteau. Vous croyez que j'ai oublié l'histoire, non? Elle apporte un couteau, elle commence à couper la pomme. Elle commence à donner à chacun un morceau. Écoutez, je vous en prie, écoutez la pomme. Ce même moment, quelqu'un tape à la porte. Alors, il dit à sa femme, qui tape à la porte à cette heure-là, 7h30, 8h du matin. On ouvre, il s'ouvre la porte, il y avait là-bas deux messieurs. Oui, on est venu, on est du bureau d'aide sociale. Et on voulait venir tout le matin. Faire surprise pour moi, c'est vraiment vous êtes des pauvres. Et là, on voit que vous êtes des pauvres. Vous nous demandez un gros tout support. Regardez le miracle.
Regardez le miracle. Regardez la bracha du tzaddik. Cette pomme, là, si elle n'est pas cette pomme, eh bien, ici, elle rentrait le matin, eh bien, ils auraient pu mettre de manger du pain et du beurre. Mais là, ils mangeaient une pomme. C'est ça ce matin. Une pomme. Le même jour, ils sont venus, ils ont changé la maison. Leur vie a changé complètement grâce à l'émouna de cette femme. C'est cette femme, mesdames. C'est cette femme-là. Regardez, cette porte-là, c'est cette femme-là qui a dit, qui a donné la valeur à cette porte. Imaginez-vous que même s'il n'aurait pas donné la valeur à cette porte, on aurait appelé à la porte de 8 heures, on rentre et on retrouve en train de manger du pain et du beurre. Eh bien, vous êtes des menteurs. Vous avez dit que vous n'avez rien à manger à la maison. On voit que vous avez quelque chose à manger. Mes amis, pour vivre, on a besoin de deux choses. Le manger spirituel et le manger matériel. Le manger spirituel, c'est la manne, la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Le manger matériel, non, le manger spirituel, c'est la manne, Moshe Rabbeinu, qui représente la Torah. Et bien, le manger matériel, c'est l'eau. Tout ce qui pousse par terre, c'est Naya. La patience. La patience. Et c'est vous qui va donner la patience à vos maris, à vos enfants. Utilisez cette force-là que le bon Dieu vous a donnée. Cette construction, construire votre maison. Construire la maison avec la Torah. Construire la maison avec la patience. Soyez comme Sarah, Rivka, Rachel, Eléa, que eux, grâce à eux, Bila, Zilpa, que grâce à eux, ils ont construit la maison. C'est eux. S'il n'y avait pas eux, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est eux. Et pourtant, on parle d'Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron. C'est vrai. On parle d'eux. Mais uniquement par rapport à leur canon, on parle d'eux. Mais si eux, ils sont devenus ce qu'ils sont devenus, ben c'est grâce à leur femme. Étant donné que la Torah est Dieu, que la femme est son signe. C'est la raison pourquoi on ne parle pas beaucoup de la femme. Et on sait très bien que la femme, le rôle de la femme, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer. Esther, la reine d'Esther, c'est grâce à elle. Esther, la Megillah de Esther, elle porte le nom de Esther, pas Mordechai, Esther. Pourquoi? C'est Esther qui a sauvé les Juifs. C'est grâce à Esther. C'est Esther. Et même si Mordechai est devenu ce qu'il est devenu, c'est grâce à Esther. Et si tous les chimots de la Torah, soit maintenant lié à la Torah, c'est grâce à Esther. Et aussi Yehudit, cette fameuse femme qui a sauvé les Juifs à l'époque des Hashmonaïm. Je peux continuer sans s'arrêter. Tout ce que je peux vous demander, n'oubliez pas dans vos prières de prier toujours pour l'éducation de vos enfants. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est un peu matérialiste, un monde d'iPhone, un monde d'Internet, un monde qu'on est très, très, très. On vit par rapport à la mode, tous les nouveautés d'aujourd'hui. Faites beaucoup attention. Je ne vous dis pas, surtout vos enfants, faites attention à vos enfants. Ils ne vont pas vous faire peur. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'entends chaque jour. Vous ne pouvez pas imaginer ce que j'entends chaque jour. Un chimichement avec l'adultère des deux côtés, ce que j'entends, avec un chimichement. Parce que malheureusement, à l'époque, c'était dur de tromper sa femme. C'est dur qu'une femme trompe son mari. Aujourd'hui, c'est tellement facile. C'est facile de faire quelqu'un qui a un téléphone. Je veux dire, il y a des textos, tout est... Aujourd'hui, la faute est devenue facile à faire. Je répète, aujourd'hui, le péché est devenu facile à le faire. Très facile. Vous savez ce qu'il m'a dit à monsieur? Ah, monsieur Rabbi Yeshua, il a dit, Rabbi David, je dois vous dire quelque chose. Il dit, monsieur, vous savez, Rabbi David, que moi, vous savez, même. Avant, c'est monsieur qui a 70, 75 ans. Il dit, quand j'allais voir un film sale, lui, dans la tente, il faisait beaucoup attention que personne ne voit lorsqu'il rentre au cinéma. Il m'avait même dit le nom du cinéma et la rue.
Je veux que tu me dises là, mais parce que je crois que tu y as bien dit, parce que jusqu'à maintenant, c'est le nom de cette rue et de ne pas partir de ma tête. Mais même que j'ai fait des chevaux et je suis âgé, j'ai dépassé les 70 ans, j'ai encore des idées de ce que j'ai fait avant. Et c'était en cachette. Dans ma vie d'aujourd'hui, j'avais peur que je me fais arrêter. J'avais pas qu'un cousin de moi. J'avais peur que dans le cinéma, je rencontre quelqu'un que je connais. Ah ben, je dis, ben, vous deux, hein. Vous deux, chacun va dévoiler le secret de l'autre. Écoutez, je vais dire à Bibeli, aujourd'hui, c'est tellement facile. Je dis, à iPhone, il y a tout là-bas. L'Internet, il y a tout là-bas. Il n'y a rien de boire à honte. Il n'y a rien. Pessah dernier, à Nice, il y a un monsieur qui vient me voir en pleurant le matin. La veille de Pessah, pendant la gala, il dit à sa femme, alors tout le monde disait la gala, il dit à sa femme, il est où? Je ne peux pas dire le nom. Il dit, je vais inventer un nom. Oui, Michel. Il lui dit, ben, je ne sais pas, il est sorti. Quel âge il a ? 7 ans. Il va chercher dans la chambre, il entend des voix bizarres. Il va derrière la porte de la fenêtre, il voit qu'il est en train de voir, il a levé la fenêtre. Il est en train de voir un truc très très sale. Très très sale. Et il rentre, il dit, Michel, mon fils, qu'est-ce que tu fais ? Ah, papa, papa, comment tu vois ça ? Il est venu pleurer. Alors moi, je lui dis, mais t'as pas un code pour sécuriser ton... Il a dit, justement, il y avait un code. Mais comment il a réussi ? J'ai dit, mon fils, aujourd'hui, les enfants, ils sont plus intelligents que nous. Ils décodent les codes aujourd'hui. À l'âge de... Ils décodent les codes. 7 ans, mesdames. 7 ans. Vous voulez comprendre ce que je peux vous dire, ce que j'entends. Faites attention à vos enfants. Si vous voulez que vos enfants ils soient des bons juifs, réinculquer la religion de la Torah, faites beaucoup attention à eux. Alors je vous bénis, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie, la prospérité, que vous attendez, la parnassa, que vous mariez vos enfants, que vous et que Hachem vous protège de rien à rien. Nando yen ezrartu, al arbi hayy.